c'est l'heure de la sieste, hein? Fais la sieste, marmotte. Fais la sieste, petit bout de chou. Qu'est-ce qui se passe, là? Allons voir ce qui se passe. Alice, qu'est-ce qui se passe ici? Oups, désolée, c'était un accident. Tu as failli réveiller ta petite sœur. Mais je voulais pas! C'est pas possible! Maintenant, va te coucher! Je suis grande, je veux pas me coucher tôt! On va le faire à la manière de Catnap! D'accord, d'accord, j'ai compris! Très bien, c'est l'heure d'aller au lit! C'est pas juste! Tu penses qu'on a été trop dur avec elle? Oui, je crois. Alice, tu veux entendre une histoire pour t'endormir? Une histoire? Oui, s'il vous plaît! Oui. Alors écoute. Le bébé s'est réveillé! Dépêchons-nous de la rejoindre! Attendez, où est-ce que vous allez? Et l'histoire? Oh, c'est toujours comme ça! C'est injuste! Vous partez tout le temps! Ça suffit, j'en ai assez! Maman, papa, vous aviez promis de me lire une histoire! Fais la sieste, petit bout de chou! Fais la sieste, petite rêveuse! Combien de temps encore elle va pleurer? Dors! Alice, qu'est-ce que tu fais? Va vite dans ta chambre! C'est pas juste! Ils font même pas attention à moi! Papa et maman ont oublié que je suis leur fille! S'ils n'ont plus besoin de moi, je n'ai plus besoin d'eux non plus! Je vais me trouver des nouveaux parents qui joueront avec moi! Ouais, c'est ça! La décision est prise! Il faut que j'emmène tous mes jouets avec moi! Et toi? Et toi? Je vais prendre Pikachu aussi, et même toi, Piggy! Il faut que je prenne de la nourriture avec moi! Super! Des bonbons feront l'affaire! On va pas encore casser la tirelire, ça nous servira plus tard! Et s'il fait froid, je me tricoterai un pull! Maintenant, il faut que je trouve comment transporter tout ça! Oh, je crois que ceci va m'aider. C'est bon, je suis prête. J'y vais. Mon petit cookie. Oh, je me sens nauséeuse. Au revoir. C'est quoi ce bruit? Je dois me faire des idées. On dirait que c'est un endroit populaire pour les parents ici. Je cherche de nouveaux parents, des gentils, qui me liront des histoires et joueront avec des jouets. Oh. J'ai déjà des jouets! Eh bien, où êtes-vous? Pourquoi personne ne vient? N'importe qui! Catnap, tu ne peux pas te cacher de moi! Je te trouverai de toute façon! Prends ça et ça! Visage du vêtu! Et prends ça! Attends, qu'est-ce que c'est, ça? C'est très intéressant! Laisse-moi lire ça! À la recherche de nouveaux parents... Quoi? Un pendentif de Catnap? On dirait que j'ai un plan. Bonjour, je veux être ton papa. Viens avec moi, j'ai plein de jouets à la maison. Et mes affaires, l'ours? Qui c'est la plus mimi ici? Chérie, je crois qu'on a été trop sévère avec Alice. Oui, t'as raison. On doit se réconcilier avec elle. Alice, ma chérie, réveille-toi. On a eu tort. Il y a quelque chose qui va pas. Allez, soulève la couverture, vérifie. Il y a personne! Alice est partie! Alice, où es-tu? Elle n'est pas derrière le rideau. Elle n'est pas sous la chaise. Peut-être qu'elle est ici? Alice, sors de là! On dirait qu'il n'y a personne ici non plus. Où pourrait-elle être? Regarde, tous ses jouets ont aussi complètement disparu! Elle a quitté la maison! Qu'est-ce qu'on a fait? Comment la faire revenir? Chérie, ne pleure pas, pas de panique, on va trouver quelque chose. Oh, regarde, ça peut nous aider. On va suivre sa trace. Allez, on y va. Vite, en avant! Le fil mène à la porte. Hein. Catnap et le chaton! Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Crafty, bonjour, tu peux veiller sur notre petite, s'il te plaît? Ok. Bonjour, je suis là! Très bien, on y va! Bonjour, mon bébé! Je suis sûre qu'on va devenir amis! Oh,
Oh, pas la peine de pleurer. Ne pleure pas, ne pleure pas. Tu es mon petit. Désolée, pas très douée pour les rimes. Regarde ce que j'ai, c'est pas cool, ça? Mais tu n'aimes pas le son, hein? Oh, et si je faisais ça? Dors, dors, dors plus vite, s'il te plaît. Oh, que faire? Rien ne marche. Oh, je sais pas quoi faire. Oh, j'ai complètement oublié. Ça devrait t'aider, ça. Waouh, je savais pas que tu pouvais faire ça. Tu es fatiguée. S'il te plaît, Très bien, nous y voilà. Ne bouge pas et ne touche à rien. Alors, où en étais-je? Voyons voir ce qu'on a là. Tout un tas de jouets. Et... attends. Tout un tas de jouets. J'adore cet endroit. Je veux jouer avec ça. Et peut-être avec celui-là aussi. Et ça? Je me débrouille bien là. Et toi? Tu veux qu'on soit amis? Il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Arrête tout de suite. Je t'ai dit de toucher à rien. Tu vois, il y a deux règles principales. Interdit de rigoler. On a seulement le droit d'être triste ici. D'accord, mais je suis pas d'accord avec ces règles. Ouais, Spider-Man effrayé par une toile d'araignée. Voilà, c'est mieux. Non, mes belles griffes, ma manicure. Maintenant, ne bouge pas. J'ai presque tout préparé. J'ai pas mangé de la journée. J'ai vraiment envie de pizza. Hé, l'ours, commande une pizza. Laisse tomber, je suis occupée. Allez, commande-la, j'ai faim. D'accord, d'accord, mais pas de pizza. Voilà ton repas. Qu'est-ce que c'est? Urgh, c'est quoi ce truc dégoûtant? Je mangerai pas de ça. Alors tu vas rester sur ta faim. Attends, je sais ce que tu vas aimer. Tu veux du bon poisson? Ouais. Attrape. Yay, je vais manger maintenant. J'adore le poisson. Le plus savoureux, le plus joli poisson. Je t'ai eu. Et j'ai les clés. Et qu'est-ce que tu fais? Dors. Allez, allez, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Cette haleine fraîche. Reprenons un peu, d'accord? Super. C'est prêt. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet ours? Lève-toi, lève-toi! Hé, l'ours, laisse cette fille et moi partir tout de suite. Bien sûr, tu veux peut-être que je te commande une pizza? Un ajout à ma collection. Pauvre Kiwagi! Pas pauvre, il fait maintenant partie de ma jolie collection. Tu resteras ici. Je veux pas devenir un jouet, s'il te plaît, me transforme pas! Tu n'es qu'un appât. Voilà ma vraie cible. Ne te laisse pas distancer, je crois que j'ai une longueur d'avance. Catnap, peut-être que les voisins ont vu quelque chose? Est-ce que vous avez pu voir ce qui est arrivé à notre fille? Non, j'ai mangé toute la journée. Essayons-la. D'accord, mais c'est moi qui parle. Bonjour, on a perdu notre fille, peut-être que vous l'avez vue? Non, non, j'ai pas vu de fille, j'ai couru toute la journée. J'ai couru, allez, je m'en vais. La dernière porte restante, essayons. J'espère que ça va marcher. Allez, ouvre, s'il te plaît, ouvre. Oh, il n'y a personne ici. On doit suivre la piste. D'accord, où est-ce qu'elle nous mène? On y est presque. Oh, waouh, j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? À la recherche de nouveaux parents? Maintenant, tout s'explique. L'ours a enlevé Alice. Oh non, mais comment la sauver? On va juste donner une leçon à cette crapule sournoise comme ça. Allons-y. Par ici. Non, par là. Oh, j'ai l'impression d'être perdue. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Compris. On va trouver notre chemin maintenant. Allez, je vois des traces d'ours. Ah. Kitty, suis-moi. Alice, on t'a enfin trouvée. Attention derrière. Surprise, les chatons. Prépare-toi à te battre. Prends ça, c'est pour nous avoir volé. Alice, tiens.
t'es grillé, Minou. Quoi? Mais comment as-tu fait ça? Qu'est-il arrivé à ma fumée rouge? Bienvenue dans la collection, boule de poils. C'est mieux. Maintenant, tu vas t'asseoir ici. Pour toujours. Bon chaton. Oh non, papa, qu'est-ce que j'ai fait? Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de lui. Hé, attrape! Rends-moi mon blaster! Rêve un peu. Tu vas aller à la collection toi-même. Ah, voici les clés, Alice. Je te libère maintenant. Maman, tu m'as manqué! Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment faire revenir Catnap? Je sais pas. Chut, ma chérie, maman est là! Maman est là! Bonjour à tous. Je sais comment la calmer. Coucou ma petite, je t'aime! Désolée, papa, je sais pas comment te faire revenir en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois ça aussi? Papa, t'es revenu! Yay! Alice, tu es là! Je vous aime! C'était un niveau passionnant. Alors, voyons ce qui nous attend. Je vous déclare mari et femme. Arrêtez, je m'y oppose! Les chats, nous avons un problème. L'ours? Prépare-toi à souffrir! Pas question! Thor! Garde tes vapeurs pour quelqu'un d'autre, longue queue! Oh oh! Et maintenant? Tu viens avec moi! Kitty, cours! Oh, maman! Attention! Pauvre Crafty, qu'est-ce qu'on fait? J'ai trouvé! Elle va nous aider! Qui? Moi? Allez, Marie, on a besoin de ton aide! Une nouvelle aventure? D'accord! Bonjour! Oh, je suis dans le jeu! Comment est-elle censée nous aider? Il a raison. Je sais. Ton pendentif. Ce que j'ai de plus précieux. Tiens. Un vrai pendentif de Catnap? J'arrive pas à y croire. Maintenant, tu seras notre fille. Mais non! On doit sauver la licorne Crafty. C'est tellement soudain, mais j'en suis. Allez, la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est vrai. L'ours. Non, Teddy, épargne-moi! Jamais! Non! Super, un autre jouet dans ma collection. Le fait d'être en peluche te va bien, mamie. Viens, ta place sur l'étagère t'attend. Effrayant! Je suis condamnée! Je me fais bien payer pour mamie Longlegs. Ok, c'est parti. Voilà, maintenant passons à la prochaine victime. Pourquoi es-tu si en colère? Attends, c'est le même ours? C'était un jouet préféré et puis ils l'ont oublié. Personne n'avait plus besoin de lui. Le pauvre, il ne le méritait pas. Ce ne sont pas tes affaires. Il est temps de mettre la licorne sur l'étagère. Prépare-toi, Crafty. Non, s'il te plaît. Allons-y, ça fera pas mal. Non, je veux pas finir comme ça. Personne ne peut t'entendre de toute façon. Adieu. C'est bizarre, c'est cassé. Ça marche pas. Reste là. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que c'est? T'as besoin d'un pendentif Catnap pour transformer les Smiling Critters? Quel retournement de situation! Oh, ce chat dégoûtant! Il est toujours là! D'accord. Assieds-toi ici. Je vais chercher le pendentif. Le plan est le suivant. Kitty, tu vas à gauche, Marie à droite. Et moi, je m'occupe de lui. Ça a l'air sérieux. On ne plaisante pas avec les chats. Tu parles. Ma fille, tu... Qu'est-ce que tu fais? Je sens quelque chose de savoureux. Comment ce chaton peut-il nous aider? Du lait. Frais. Miam. J'adore ça. Tel père, telle fille. C'est pas possible. Elle est pas prête à se battre contre l'ours. On mangera après avoir gagné. Sois gentil avec elle, chérie. C'est ta première leçon. Libère les griffes et transforme cet ours en passoire. Wow. Ça a l'air dangereux, mais cool. À toi de jouer. Très bien, papa, je libère les griffes. On relâche. Ça marche pas. Oh, regarde. Tends tes pattes plus fort et... Attaque! Essaye. Ok, je force sur mes pattes et... Rien.
Ok, essayons de cette façon. Le jouet préféré de tous les chatons. C'est amusant. Quelle plume brillante. Mais mes griffes sont encore endormies. Peut-être que j'en ai pas du tout. Tous les chats ont des griffes. Il faut juste que tu trouves le bon moyen. Et j'en ai un. Et c'est ça, chaton. Oh, toi le méchant. Waouh, je ferais mieux de m'éloigner. Super Marie, continue. Tu es mort. À ce mariage gâché. Ouh. Je suis à bout de souffle. Ma fille intelligente, t'as réussi. Bon travail, chaton. Marie, il y a une autre arme que tu dois maîtriser. Hmm? Un spécimen parfait. Regarde et apprends. Mouche d'or. Je vais faire une sieste. Confiture. Chut, la mouche est endormie. Mission accomplie. Montre-nous ce que tu as. Oui, maman. La bonne pose d'abord. Oh! Oh, la pauvre. Ouais. Je vais réessayer. Ah-ah! Ok. Miaou! Oups. Je sais ce qui peut t'aider. Ma fille, mâche de la lavande. Ça sent super bon. Je mangerai pas ça. Oh, pour l'amour de chat! Les petits chatons sont souvent difficiles. Marie a besoin que ce soit savoureux. Pour cela, prends un soda, ajoute un brin de lavande et mélange bien le tout. Et voilà! Maman sait ce dont son chaton a besoin. La délicieuse boisson sucrée à la lavande est prête. Maintenant, la touche finale. Notre fille ne refusera jamais une telle boisson. Ouvre grand la bouche. Marie, je t'ai préparé un cocktail à la lavande. Bois-le, ça va t'aider. Je peux goûter. C'est délicieux. Merci. Alors, on dirait que... ça marche. Je suis bien dormie. Oh là là. C'était dur. Tu sais, je vais faire une autre sieste. Oups, je l'ai fait. Yay! Fière de toi, ma fille. Bonjour, je vous ai apporté de la pizza. T'as commandé ça? Non, je pensais que c'était toi ou Marie. On s'en fiche, c'est de la pizza. Je vais la prendre. Wow, elle a faim. Eh bien, un petit encas ne fait pas de mal. Quelle journée bien remplie. Elle est encore chaude, avec du salami. Prome sur le morceau le plus fromagé. Allez-y. Oh, trop bien. Miam. Croûte croustillante, j'adore. Ils sont occupés avec la pizza, maintenant deuxième partie du plan. Je les distrais. Tu peux sortir. Excellent. Comme nous l'avions convenu. Je tiens mes promesses. Merci. Maintenant, dégage. Rends-moi le sac à dos. Oh, vas-y. Oh, ces ours. Quel bonheur. Le pendentif doit être ici. C'est la patte de qui, ça? L'ours! Marie, cache-toi derrière le canapé. Papa et moi allons l'arrêter. La pizza était un piège. T'aurais pas dû venir ici, toi. Dors. Détendez-vous, les minous. Espèce de méchant rusé. Tu t'es préparé. Il y a police. Du poisson? Frais. Donne-le. Vous en voulez? Oh oui. Bon appétit. Miaou, poisson. Quelques nouveaux jouets. Regarde comme c'est juteux. Attrapez les peluches. Il a été plus malin que nous. Maman, papa, qu'est-ce que je dois faire? Oh, je dois les sauver. Battons-nous, l'ours. Juste toi et moi. Quoi? Oh non, j'arrive trop tard. Quel cauchemar. Pauvre Catnap et Kittynap. C'était une sacrée bagarre. Je vais les sauver. Stop! L'ours a besoin d'un pendentif Catnap. Mais il ne l'aura jamais. J'ai une idée. Je devrais non seulement cacher le pendentif, mais aussi le remplacer. Eh bien, parfait. Un petit effort. C'est devenu génial! Aucun ours au monde ne devinera qu'il s'agit d'une contrefaçon. Laisse-nous partir, la bête! Continuez de rêver. L'étoile ne va pas, j'ai besoin de la lune. Catnap, où est le pendentif? Dis-moi! Jamais! Bien, alors je vais te torturer. Dis-moi où se trouve le pendentif! Non! Stop! Oh, la miniature! Petite mais forte!
pendentif. Il faut que je le prenne par tous les moyens. Hein? Essaye. Dors. Ça fait peur. Arrête de gâcher l'air ici. C'est mieux. Oh non. Miaou. Le pendentif est à moi. Et la cellule est à toi. Bienvenue. Travaille sur ton comportement. Il est temps pour moi de transformer les animaux en jouets. Fiu. Brillant. Eh bien, c'est en place. Passons aux choses sérieuses. Laisse-moi partir, monstre! Mets les chaînes! Mets-les, je t'ai dit! Tu vas le regretter! Qui va m'arrêter? C'est fini! J'ai échoué pour nous tous! Ne sois pas triste trop vite. Essayons de sortir de la cage. Ouais, on peut pas abandonner. On peut encore sauver tout le monde. Allez, les griffes, à vous de jouer. Vous avez réussi! Dépêche-toi, chaque seconde compte! Dis bye! Quoi? Ça marche toujours pas? Mais c'est pas du tout un pendentif! C'est juste un ballon! Ah! Petite filoute! Tu te croyais si intelligent? J'ai le pendentif! Oh! Donne-le-moi! Ah ah! Quoi? Ne la touche pas! Oh! Ah bon? Ouais! On est sauvés! Quelle chance! Le méchant ours ne nous fera plus jamais de mal! Il n'a pas toujours été méchant. Il était l'ami de cette fille, mais il s'est passé quelque chose. Elle a grandi et m'a jetée! On doit l'aider. Ours, viens ici! Moi? Oui, soyons amis. Qu'est-ce que vous faites? Des câlins? Ça fait longtemps que je suis là et... j'ai enfin des amis? Je vous promets que je serai plus jamais méchant! Marie? Je l'ai pas vu quitter la pièce. Marie, où es-tu? On va réparer ton costume. Abby? Oh, ma sœur m'appelle! Je dois rentrer à la maison. Reste avec nous, tu es toujours notre chaton. On vient juste de devenir amis et tu pars déjà? Tu veux venir avec moi? Volontiers. Bye les critters! Au revoir, Marie. C'est si triste. Où est cette vilaine fille? L'ours est là! Oh, où étais-tu? T'as pas oublié quelque chose? Désolée, je vais repasser, je te le promets. Abby, salut! Salut, bestie! Mouah, mouah! La soirée va être géniale. Bien sûr, ce sont des adultes. Dépêche-toi, le maquillage se fait pas tout seul. Oh, on s'en fiche. Tu sais quoi, Teddy? J'ai une idée. Je vais convaincre Abby de m'emmener avec elle. Je rencontrerai peut-être les critters. Emmène-moi avec toi, s'il te plaît, Abby! Pas question, t'es trop jeune. Loser! Je t'en supplie, Frangine! D'accord, d'accord, mais d'abord, tu mets ça. Waouh, cool ce t-shirt! Je reviens tout de suite! Petite naïve! Vas-y! Qu'est-ce que t'en penses? Les filles? Non! Elles m'ont menti! Attends, où sont-ils? Waouh! Bonjour! Waouh, les Smiling Critters! En chair et en os! Marie, tu es l'une des nôtres maintenant! Vous voulez m'adopter? Oh, je suis partante! Tu veux aller à cette fête, hein? Oui! Oui, oui, je le veux! Bien, mais c'est réservé aux adolescents de plus de 16 ans! Oups! C'est bon, Crafty, à toi de jouer! Ça va peut-être picoter un peu! Oh, c'est tellement bizarre! Wow, je suis une adulte! Enfin! Ces vêtements lui vont pas. T'as raison. Ça, c'est mieux. Essaye. Wow! Jolie! Je suis une vraie peluche! Maintenant, t'es prête pour la fête. Abby et ses copines vont être très jalouses. Une fête tellement cool! Attends, c'est... surprise, surprise! Vous devriez voir vos têtes! Salut les gars! Miaou! C'est Marie et les Smiling Critters? Je vois, il y a quelque chose qui pue là! Ma première fête d'adulte! Trop cool! Viens, on va danser! Je le savais! Catnap, viens! On a un appel important à faire! Vas-y, appelle-la! Allô?
Bobby, tout est prêt. Je serai bientôt là. D'accord. Les choses se passent comme prévu. Il est évident qu'il prépare quelque chose. La fête est géniale! Dansons jusqu'à l'aube! Désolée, je suis un peu en retard. Bonjour! Oh, arrête! Ça marche à tous les coups. Ok, t'es libre. Ça suffit avec tes farces électriques. Oups! Voici notre nouvelle amie, Marie. Bonjour. Enchantée de te rencontrer. Je suis pas du genre à serrer la main. Fille intelligente, tu veux en savoir plus sur nous? Bien sûr, j'en serais ravie. Viens chez nous, alors. Quelques mouvements pour la fin? Yahoo! Hobby est le roi de la piste de danse. Au revoir, les gars. Oups. Tu nous espionnes? Ouch! Bien fait pour toi. Oh, c'est pas une sensation agréable. On est les premiers. C'est ici qu'on vit. C'est tellement cool ici. Ouh. Pourquoi il court toujours? Eh bien, c'est un lièvre. Bienvenue dans ta nouvelle famille. Merci. Alors, allons jeter un coup d'œil à notre promo, hein? Mets-toi à l'aise. Prête? Bon visionnage. Regarde, ça commence. Je suis Hoppy Hopscotch. J'adore les activités. Et moi, Bobby Bear Hug. Crafticorn, la créativité est mon tout. Catnap à votre service. Je peux bercer n'importe qui. Nous sommes les Smiling Critters. Trop bien. Maintenant, je vous aime encore plus. Mes amis, quelle famille choisiriez-vous? Les Smiling Critters ou ma grande sœur Abby? Hey, Marie, tu veux dessiner? J'adore dessiner. C'est bien. Tu dessines et on part juste une minute. On revient tout de suite. Je me demande où ils sont allés. Ils doivent me préparer une surprise. Je vais aller voir. Eh bien, c'est presque terminé. Notre idée est géniale. Très bientôt, nous transformerons la naïve Marie en Piggy Piggy. Est-ce qu'ils font des bonbons? Quoi? Et elle restera une Smiling Critters pour toujours! Fille idiote! Allez, on s'y met! Quoi? Mais je veux pas devenir Piggy! Oh, qu'est-ce que je dois faire? Allez, les Critters! Il est temps de terminer notre invention! Je dois sortir d'ici d'une façon ou d'une autre! Je vois la porte! Elle est fermée à clé! Qu'est-ce que c'est? Le train peut être un indice. Je l'ai déjà vu quelque part. Réfléchis, Marie, réfléchis. C'est ça, c'est ça, c'est la clé. Et voilà, maintenant, on court. Et le plus vite sera le mieux. Je peux pas l'ouvrir. Mes amis, à l'aide! J'ai besoin de vos likes pour pouvoir ouvrir la porte. Oui, encore un peu. On y est presque. Ouais, ça devrait suffire. Merci, les gars. Eh bien, ça a marché. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupée ici, en fait, là. Je suis désolée, je voulais pas déranger. Sors de là. Oups. Mauvaise porte. Marie? J'ai pas du tout envie d'y aller, mais j'ai pas le choix. Tu veux commander à manger? Choisis ce que ton âme désire. Je sais pas. Oh, ça ferait pas de mal de prendre un encas. Ok. Laisse-toi aller à la pizza. J'ai compris. Oups, je suis au bon endroit. Oui, tout à fait. Salut, votre pizza. Apportez-la ici. Ok. Il mérite un bon pourboire en souriant comme ça. Bonjour, votre pizza. Aidez-moi, s'il vous plaît. De quoi vous parlez? Je vous explique plus tard. Tenez-vous tranquille, d'accord? Oh. Bonne chance. Votre pourboire, petit. Merci. Comment va notre mari? Alors, cette pizza? Et où est Marie? Catnap! T'as crié? La fille a tout compris. Attrape-la. C'est parti. Ne pense même pas à essayer de t'échapper. Oh. Vraiment? Elle doit plaisanter, n'est-ce pas? Sauvez-moi! Tu crois aller où, là? Tu restes ici!
Allez! Mes excuses pour la confusion. C'est bon. Maintenant, va-t'en. Oh, tu comprends pas. Tu vas être un cochon. L'essentiel, c'est de ne pas devenir comme Huggy Wuggy. Tu ne veux pas être l'un d'entre nous? Alors prends ça, prêtre! Bientôt, tu vas grogner et sourire. Non! Hopi, on doit finir le pistolet. Laisse le punching ball tranquille. Et toi? Attends ici. Oh. J'ai compris. Huggy va me sauver. Il y a un problème. Ça sent le paradis. J'ai une idée. La nourriture des dieux souriants. Si mon ventre est heureux, c'est que je suis heureux. Ok, soyons prudents. Hop! Qui a osé me déranger? Huggy Wuggy, salut! Aide-moi, s'il te plaît! Quoi? Tu n'as aucune chance contre moi, la peluche! Oh oh! On va voir ça maintenant! Défends-toi! Je suis un boxeur, en fait! Ouais. Maman! Oh non! Personne ne te sauvera ici! Oublie l'idée de t'échapper! Je dois aider la fille! Oups! Et plus de tours! C'est triste! Méchants critters! Des si mauvaises créatures! Mais il doit y avoir un moyen de s'en sortir! Je crois que j'ai trouvé! Ça devrait marcher! Il faut être astucieux et rusé! Et enfin, je serai libre! Habillons-nous! Quelles oreilles! Le dernier détail! Je suis prête à partir! Chut. Miam, miam, miam! Ah, ah, tu peux me donner les clés de la porte? Tiens, catnap! Yay! Partons d'ici! Où est-ce que tu vas? Regardez cet imposteur! Honte à toi! Ah! Je vais courir quand même! Phew! Je suis arrivée! Désolée, Marie, je me suis trompée! Oh! Tu me manques tellement! Si seulement je pouvais te retrouver! Abby! Qui est là? C'est moi! Salut! Huggy Wuggy? Je sais où se trouve ta sœur! Vraiment? L'endroit où se trouve ta sœur est Poppy Playtime Street 3? Je sais comment vaincre Catnap! Huggy, merci! Marie, tiens bon! La vie est belle! Crafty, comment as-tu pu me confondre avec elle? Jette la nourriture, elle te distrait! T'as raison, notre plan est plus important. Allez! Et toi, n'ose plus jamais faire une chose pareille! Notre intention est complète! Super, allons-y! Non! C'est l'heure de la transformation! Stop, restez où vous êtes! Laissez ma sœur partir ou je me sers de ça! Toi, comment nous as-tu trouvés? Intéressant, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est beau! Horrible! Catnap et Hopi sont neutralisés! Marie! Dégoûtant! Sœurette! Rentrons à la maison! Yep, on se dépêche! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, salut Bobby! Où est la fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu n'en as aucune idée! Elle et sa sœur ont couru vers là-bas! Vite, il faut les rattraper! Eh bien, cette pizza était excellente. Je vais en commander deux autres. Rien au monde ne me rend aussi heureux qu'une savoureuse pizza pour le déjeuner. Wow! Qu'est-ce que c'était? Un peu bizarre. Ne bouge plus, toi! Oh oh! Je suis à nouveau petite! Maintenant, on peut rentrer à la maison. C'est l'heure! Ouais, elles ont réussi! Quelle journée! Où est Marie? Où sont-elles allées? Par là. Waouh, des smiling critters! Je vous adore! Vous pensez à la même chose que moi? Ouais. Préparez notre arme, mes amis! Je suis une grande fan! Bonjour! On t'aime beaucoup aussi! Bienvenue dans ta nouvelle famille! Yay! Vous voulez m'adopter? C'est déjà fait! Allons à la maison! Et voilà! Oups, on est les premiers! Hopi, t'es si rapide! Trop rapide! Mes pattes ne sont pas faites pour courir comme ça! Wow. Eh bien, c'est notre maison!
Waouh, c'est trop cool ici! Vous avez tellement de choses géniales! Et elles sont toutes dans le style Critters! J'adore! Ah ah! Ils ont kidnappé Amber et essaient maintenant de la soudoyer avec des babioles! Amber, voici tes nouveaux vêtements! Regarde! Waouh, c'est ma couleur préférée! Je vais les mettre! Elle est adorable! Et on dirait que leurs trucs ont fonctionné. Tu m'aimais bien avant. Et maintenant, tu as des nouveaux amis. C'est fait. Alors, vous aimez? Tu es adorable. Ça te va parfaitement. C'est tellement confortable et doux. Est-ce que je peux porter pour toujours? Tu peux faire ce que tu veux. Même sauter sur le canapé? Hopi, elle peut? Bien sûr. Qu'est-ce que la vie sans les sauts? Génial, vous êtes trop amusants. Peut-être qu'elle sera mieux avec eux. Ouais, c'est le meilleur jour de ma vie. Amber, est-ce que tu veux en savoir plus sur nous? Oui, je le veux vraiment. Alors installe-toi confortablement et regarde attentivement. C'est notre vidéo de présentation. On a fait beaucoup d'efforts pour l'enregistrer. Oh, c'est passionnant. Regarde, ça commence. Je suis Hopi Hopscotch, j'adore les activités. Et moi, Bobby Berug, je vis pour les galas. Crafty Corn, la créativité, c'est mon tout. Catnap à votre service. Je peux bercer n'importe qui. Nous sommes les Smiling Critters. Wow. C'est la fin. Maintenant, tu en sais plus sur nos capacités. Wow, vous êtes tellement cool. Maintenant, je vous aime encore plus. Les gars, écrivez dans les commentaires quelle famille vous choisiriez. Les Smiling Critters ou Huggy Wuggy et Kissy Missy? Amber, j'ai un cadeau pour toi. Tu aimes dessiner? Bien sûr! Merci, je vais nous dessiner tous ensemble. Tu as beaucoup de talent. Il faut qu'on y aille. Oui, apportons des friandises. Il est temps pour Amber de manger un morceau. Elle est incroyable. C'est vrai, elle est parfaite pour nous. Alors prenons les hamburgers et allons-y. Quelle odeur! Tu crois que ça suffit? Une seule bouchée et elle ne pourra plus s'arrêter. Jusqu'à ce qu'elle se transforme en Piggy Piggy. Et alors elle deviendra l'une d'entre nous. Et elle ne reviendra plus jamais à la maison. Exactement. Oh non, je dois déjouer leur plan diabolique et sauver Amber. Il ne reste plus qu'à les réchauffer. Oui, les snacks froids sont mauvais pour les enfants. Bientôt il y aura une créature de plus. Avec des crayons comme ça, je pourrais dessiner pour toujours. C'est quoi ce bruit? Vous êtes là? C'est vous? Amber, viens ici. C'est moi ou quelqu'un m'a appelé? C'est peut-être un courant d'air? C'est un peu bizarre. Amber! Hé! Hey! Huggy, qu'est-ce qu'il y a? Chut! Tu es en grand danger! Quoi? De quoi tu parles? Chut! La créature prépare quelque chose d'horrible! Allez, j'arrive pas à y croire. Rentre. Oh, ma tête! Oups! Aouh! Tu vas bien? Maintenant, lève-toi et raconte-moi tout. Écoute, ça, c'est leur plan. Le plan? Ouais, tu l'as juste inventé. Vois par toi-même. Ils veulent te transformer en Piggy Piggy. Mais je veux pas être Piggy. Super, tu nous as eu, petit malin. Ne la touchez pas ou vous aurez affaire à moi. Oh, j'ai tellement peur. Bleh. Si tu veux sortir d'ici, tu dois accepter notre défi. Quel genre de défi? Oh, c'est intéressant, hein? J'adore les défis. Pourquoi tu leur donnes une chance? Détends-toi, ils gagneront jamais. Choisis le défi et la liberté où elle devra manger ça. Je veux pas me transformer en Piggy Piggy. Non! Oh, Guy, on doit l'accepter. Passons ce défi et sortons d'ici. D'accord, 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 je suis d'accord. Bien, que le spectacle commence. Alors, la première épreuve est la battle de danse. Cool, Bobby, t'es vraiment génial. Mais je sais pas bien danser, moi. On n'a pas le choix. On passe en premier. Notre danseuse est la plus talentueuse, Crafty. Hey, je suis une pro de la danse, tu pourras jamais mieux danser que moi. Eh bien, le deuxième danseur est... Moi! Non, moi! Ils seront finis. Non, on a une chance. Je ne crois pas. Crafty et moi sommes les meilleurs pour danser. Allez les filles, montrez à ces deux-là qui sont les meilleures danseuses. Ce sera pas difficile, c'est clairement nous. Top là, ma meilleure amie. Yay! On va transformer Amber en Piggy.